Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Cette semaine, je reçois le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, premier vice-président du MoDem, Marc Fesneau. Bonjour, bonjour, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Deux agriculteurs de la région vous poseront également des questions. Nicolas Betz, en duplex de Saint-Germain-des-Prés, dans le Loiret. Bonjour, monsieur. Et Philippe Bruneau, éleveur en Touraine. Bonjour. Bonjour. Et puis il y aura également Jean-Yves Chauveau, qui est journaliste à Terre de Touraine. Il nous parlera, lui, de la transition écologique. Marc Fesneau, on découvre votre bio express. Vous avez 51 ans, ministre de l'Agriculture depuis cet été, après avoir été pendant 4 ans ministre des Relations avec le Parlement, vice-président du MoDem, je le disais, et conseiller régional ici en Centre-Val-de-Loire. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, car l'actualité est fournie. Premier dossier, les ressources en eau et les cultures. Alors, en ce qui concerne les ressources en eau, on va évidemment tout de suite parler des méga-bassines, Marc Fesneau, ces réserves d'eau gigantesques à ciel ouvert qui servent à l'irrigation. Leur installation est très polémique, les écologistes y sont fermement opposés. Comment est-ce que vous positionnez sur le sujet et est-ce qu'il faut malgré tout les développer ? On a besoin de développer des réserves en eau. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le terme méga. Une dizaine d'hectares de surface en eau, c'est ce qu'on a d'ailleurs... Les étangs de Sologne, pour un certain nombre de surfaces, sont ces volumes-là. Donc, on ne dit pas que c'est des méga-étangs, hein. On dit que c'est des étangs. Mais en tout cas, sur le fond, je me positionne sur l'idée que dans un cycle de l'eau qui change, qu'est-ce qui change? C'est qu'il y a des mois sans eau et des mois au pluriel, parfois 2, 3, 4 mois sans eau ou quasiment sans eau. Et puis, on a connu ça cette année, et par ailleurs, des périodes où il y a beaucoup plus d'eau. Et que donc, on a besoin de retrouver ce cycle en captant l'eau en supplément qui tombe l'hiver pour la restituer l'été, parce que sinon il n'y aura pas d'agriculture. Une meilleure gestion. Une meilleure gestion. Pourquoi je dis ça? Parce que le GIEC, dans ses travaux sur le dérèglement climatique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en gros, la quantité d'eau qui va tomber va être la même. La seule difficulté, c'est qu'elle ne va pas tomber au même moment, elle va être moins linéaire. Moins linéaire. Ouais. Donc ça va être arythmique, si vous me permettez cette expression. Donc on a besoin de la capter dans les périodes où il y en a beaucoup, pour la restituer dans les périodes où il n'y en a pas assez. À ce sujet, je salue Philippe Bruneau, éleveur et producteur laitier en Indre-et-Loire et ancien président de la laiterie de Verneuil. Vous utilisez vous-même des retenues collinaires, comme on les appelle, pour irriguer. Vous êtes donc favorable au projet des bassines? Alors, il est évident, comme l'a dit M. le ministre, qu'il faut retenir cette eau qui part. Nous l'avons fait, un groupe d'agriculteurs, sur plusieurs lieux, avec des petits barrages sur des têtes de bassin, à un moment où c'était encore possible. Et donc ça a plein d'intérêts, plein de vertus, puisque on va retenir de l'eau à des moments où il y en a plus. Ça relève en tout cas de la bonne gestion. Voilà, et on empêche des limons d'aller à la rivière, des excès d'eau d'aller très rapidement à la rivière, dans des petits vallons, où il a été creusé des fossés par l'administration. Alors ma question par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire, parce que ces fossés qui ont été créés dans les années 60-70 pour l'assainissement, soutenus par l'administration et dirigés par l'administration, aujourd'hui, je dirais, l'administration a mis un trait bleu sur ces fossés, les classant ruisseaux, alors qu'ils ne reçoivent de l'eau que très peu de jours dans l'année, et ce qui empêche administrativement Marc de faire Fesneau, des vous avez une réponse à ça? C'est issu des travaux qui ont été votés il y a très longtemps sur la loi sur l'eau, qui fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont interdits. Alors ça n'obère pas toutes les capacités à faire des retenues collinaires. Il faut qu'on essaie de combiner les choses, ça a été très bien dit à l'instant, c'est-à-dire que les ouvrages, ils puissent servir à l'irrigation, ils puissent servir aussi à soutenir les étiages. Il puisse soutenir parfois les périodes où il y a trop d'eau, c'est-à-dire pour éviter les inondations. Il faut qu'on essaie de cumuler les choses. On est en train de regarder. Alors d'abord, il y a des projets qui se développent dans ce territoire. Alors un peu moins en région centre que dans d'autres, mais je faisais la revue de projets, si vous me permettez cette expression, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 60 projets qui sont en cours de réalisation. Donc c'est bien possible. Ce qu'il faut qu'on essaie de regarder, c'est là où il y a quelques freins administratifs pour essayer d'avancer. Mais en même temps, il faut le faire avec une exigence quand même. C'est d'essayer de limiter l'impact sur le milieu. Donc c'est là qu'il faut qu'on essaie de dialoguer. Encore une fois, c'est la bonne gestion des éléments qui prime. Plus simple encore que la bonne gestion, de bon sens. Allez, Marc Fesneau, je vous propose maintenant qu'on évoque l'économie du secteur agricole, parce que là, la situation est tendue. On va commencer par le prix de la viande, notamment, et le prix de la tonne de lait, qui sont jugés encore beaucoup trop bas par les éleveurs. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ?
Alors, il y a eu des efforts de fait. Hein. Il y a eu des... Alors, il y a eu des lois de voter, des efforts de fait. On est dans une situation particulière. C'est la loi Egalim 2, comme ça qu'elle s'appelle, qui a permis de construire le prix à partir du prix de la matière première agricole. C'est comme ça qu'on a voulu faire les choses. Alors, sur la viande bovine, on a plutôt une situation qui est un peu moins mauvaise qu'elle n'était il y a un an, parce que ça a décapitalisé. Donc, il y a un peu moins de viande présente sur le marché. Et donc, ça a plutôt eu un effet de faire monter les prix. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle d'avoir décapitalisé, mais en tout cas, c'est la situation du marché. La difficulté sur la viande bovine comme sur la viande laitière, c'est que par ailleurs, les coûts ont augmenté de façon très significative, l'alimentation du bétail. Et en particulier sur le lait, on a une situation qui est assez tendue parce qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui n'ont pas assez répercuté les coûts. On sait qu'autour de 500 euros les 1000 litres, on arrive à équilibrer. Souvent, on est plutôt à 430, 440, 450. Et il y a un travail à faire. Alors, on a plutôt progressé dans les derniers mois, mais on est encore un peu loin du compte. Et on parlera sans doute tout à l'heure des questions de reprise des exploitations laitières en particulier. Il faut qu'on ait une meilleure rémunération. Donc ça, c'est dans le dialogue avec les transformateurs, puis aussi avec la grande distribution. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que malgré cette crise et ces difficultés, c'est un secteur qui recrute, notamment parce qu'il va y avoir une bascule de génération. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir, là. Et puis quand on regarde, moi j'étais l'autre jour en Franche-Comté, quand il y a de la valorisation sur le lait, d'ailleurs la laiterie de Verneuil avait fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver un circuit de valorisation en cherchant des créneaux particuliers, le circuit court, de valorisation des produits locaux avec une image et un marketing particulier. Quand on a de la rémunération, on trouve des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui veulent bien s'installer. Donc c'est le facteur clé pour l'installation effectivement. Ça a été votre cas parce que vous, il n'y a pas tellement longtemps, après plus de 40 années d'exercice, que vous êtes parti à la retraite, sont vos enfants et votre gendre qui ont repris l'exploitation familiale alors qu'ils se destinaient pas du tout à cela. Ça s'est bien passé ? Ils se destinaient, oui, pas du tout à ça. Ils étaient déjà dans d'autres entreprises, dans d'autres milieux. Ils ont fait le choix, oui, de revenir. Je pense qu'il y a différentes choses. Et céder son entreprise, est-ce qu'à l'heure actuelle en France, on est bien aidé dans ce secteur agricole ? C'est compliqué. Oui. Compliqué parce que quand on est agriculteur, notre souci, c'est qu'on est obligé de capitaliser énormément pour faire tourner nos exploitations. Et donc la fin est très difficile. Ce sont des capitaux importants. Alors quand c'est dans le milieu familial, on peut trouver des solutions pour étaler un petit peu tout ça. Mais pour... je pense des jeunes qui s'installent hors du cadre familial, c'est évidemment très compliqué parce que les sommes sont lourdes. Après, c'est vrai que mes enfants sont sans doute revenus pour reprendre la ferme familiale, mais aussi parce qu'on a changé l'image du producteur. On l'a travaillé beaucoup, nous, sur notre petite coopérative, parce qu'on est attaqué, on est montré du doigt. Aujourd'hui, quand j'entends, j'ai encore entendu ce matin quelqu'un dans une université où un enseignant a dit aux élèves, mais l'agriculture, l'élevage, c'est terminé en France pour des raisons écologiques. Mais c'est quand même un raccourci un peu fort. Et c'est quand même une production de produits qui sont qualitatifs, extrêmement... Et plus que nécessaire. En revanche, je vois une chose, puisqu'on parle de produits de qualité, comme la laiterie de Verneuil, on retrouve des produits vraiment de haute qualité. On note une chose, c'est qu'avec cette crise économique, avec l'inflation, sont les magasins bio qui connaissent de sacrées difficultés. Oui, c'est une des formes de la qualité. C'est vrai que le bio, en particulier en filière laitière, parfois c'est une rémunération qui est du même niveau que celle du lait conventionnel, avec des risques de déconversion, et donc un risque très puissant, parce qu'une fois que quelqu'un s'est déconverti au bio, il y aura bien grande difficulté à le faire revenir vers le bio. On est en train de travailler, on va regarder avec les acteurs de la filière bio, parce qu'il y a un sujet conjoncturel, c'est-à-dire que les gens, compte tenu de leur niveau de revenus, compte tenu de l'inflation, dégradent la nature des produits qu'ils prennent, et donc le bio est une... Étant en haut de gamme, on descend en gamme, et on le voit dans tous les secteurs de la grande distribution. Et puis il y a sans doute un sujet structurel, parce que le bio... Comment le bio se positionne entre les circuits courts, les produits sous label ? Il y a un sujet de positionnement sans doute, mais ça c'est une réalité, oui. C'est une réalité. D'ailleurs, en parlant de la qualité des produits, vous connaissez le combat de Richard Ramos sur supprimer les nitrites, notamment dans les charcuteries. Même combat que Richard Ramos pour vous ? Le combat, il est simple. Ni Richard Ramos ni moi ne sommes des scientifiques. C'est de se baser sur ce que dit la science. Et en particulier, d'ailleurs, c'est ce qu'avait demandé Richard Ramos à juste titre, c'est d'avoir un rapport de l'ANSES. Qui a donné un certain nombre de préconisations, qui a dit plusieurs choses, qui étaient d'abord la quantité journalière de nitrite qui était utilisée, et puis qui était consommée, pardon, et deuxièmement, de regarder là où partout il y a des alternatives, d'essayer de tendre vers moins de nitrite ou zéro nitrite. Et donc on est en train de travailler un plan d'action qui va se conformer strictement
à ce que dit l'ANSES. Je pense que c'est bien de se baser sur la science. Et une fois que la science a dit des choses, qu'on essaie de se conformer à ce qu'ils nous disent en termes de... L'ANSES, qui est l'Agence nationale sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, et qui donne des avis sur bien des sujets en termes d'alimentation. Et donc, je souhaite qu'on puisse aller dans le sens de ce qu'ils disent. Je permettrai de dire un mot sur ce qu'il vient de dire sur la question de l'élevage. On a besoin d'élevage en France. Il y a des tendances lourdes qui sont une diminution de la consommation de viande. Ce n'est pas en soi une difficulté si jamais il y a de la rémunération au bout, si on peut mieux valoriser les produits de qualité, les produits qui sont faits en France. Donc il ne faut pas avoir peur de cette diminution tendancielle parce que c'est structurel, cette diminution de consommation de viande. Mais il faut défendre l'élevage parce qu'on a besoin, parce qu'ils tiennent le territoire, une partie de nos paysages, une partie de la qualité de la biodiversité. Une partie de la transition des engrais minéraux vers les engrais organiques, elle vient vers l'élevage. On a besoin de l'élevage. Et donc, ceux qui disent, il suffit, il n'y a qu'à faucon, ce qui est quand même un truc qui traîne beaucoup, supprimer l'élevage pour régler les problèmes, je pense qu'on aurait bien plus de problèmes si on n'avait pas d'élevage. Très intéressant que si on en avait. Cette position. Merci en tout cas, Philippe Bruno, pour vos témoignages. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à nos habitudes de consommation, car elles ont un réel impact sur l'économie agricole et les productions. Avec un constat, une évidence, c'est que les Français mangent de moins en moins de viande. C'est un nouvel handicap qui fait baisser forcément. Il y a une action mécanique sur la production d'année en année. Est-ce que cette filière, oui, j'ai l'impression, avec ce que vous venez de dire, cette filière a toujours de l'avenir ? Cette filière a de l'avenir. Elle a de l'avenir sous la réserve qu'on essaie de l'accompagner dans les grandes transitions qui sont à l'œuvre, en particulier la capacité à décarboner ces filières-là. Oui. Et de trouver un lien peut-être plus fort avec les filières grandes cultures, en particulier sur la question de l'apport en engrais organiques que peuvent apporter ces filières. Et puis, cette filière, elle a de l'avenir, d'autant plus qu'il y a des marchés extérieurs qui peuvent s'ouvrir, je pense au porc. Et puis, on a de la reconquête de souveraineté à faire, je pense à la volaille. 50% de la volaille que nous consommons en France vient de l'extérieur. Vient de l'extérieur, oui. Elle vient pas de loin, hein. Elle vient d'Europe. Et donc, on a un travail à faire, ne serait-ce que cette reconquête de souveraineté, y compris dans une tendance lourde qui serait une tendance de baisse, permettra à nombre d'éleveurs de retrouver de la rémunération. Donc je pense qu'elle a de l'avenir, et ce d'autant que dans beaucoup de territoires, elle est la seule activité qui peut se développer, l'élevage. Oui, c'est un dossier qui a du sens. Et donc c'est un dossier qui a du sens. L'agriculture est soumise, elle aussi, aux décisions politiques. Agriculteurs et responsables politiques forment un attelage pas toujours très serein. Marc Fesneau, le grand salon international de l'agriculture approche. Ça sera au mois de février. C'est souvent à cette occasion que le monde agricole se fait entendre et revendique. Et est-ce qu'à cette période, vous aurez des annonces particulières à leur faire ? Alors la question, ce n'est pas de faire de grandes annonces. Des annonces efficaces. C'est de faire des annonces efficaces. Le président de la République est venu à toute occasion au salon de l'agriculture pour annoncer un certain nombre de choses, puis prendre aussi la température. Lui aussi, il est un peu comme M. Chirac, il apprécie beaucoup. Il apprécie beaucoup à la fois le salon de l'agriculture, mais le contact avec le monde agricole, c'est un monde qu'il connaît bien. Oui. Et dont il perçoit bien à la fois les attentes et le ressort, si je peux dire les choses ainsi. Et donc le salon de l'agriculture, c'est l'occasion d'abord d'une rencontre entre le monde agricole et les citoyens, parce que c'est un salon qui est à Paris. Grande ferme de France, mais les principaux visiteurs sont quand même des urbains. Et donc c'est bien de montrer ça. Et puis deuxième élément, c'est l'occasion de faire le point et de regarder. C'est par exemple dans ce cadre-là que le président de la République a pu faire des annonces sur la question des GALIM, a pu faire des annonces sur la question du système d'assurance, a pu faire des annonces sur la question d'une grande loi sur le renouvellement des générations. Après ce qu'il avait c'est dit lui déjà. Qui chargera des annonces, comme traditionnellement. Alors, traditionnellement, c'est plutôt le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Mais c'est oui. Donc normal que ça soit lui qui fasse. Et après, c'est nous, on a un travail à faire comme ministre de l'Agriculture en l'occurrence, de pour préparation me et de bien perception. Les ouais. Et puis après que les choses se déroulent, parce que le président de la République est très vigilant aussi à ce que les annonces étant pesées et sous-pesées, elles puissent après se mettre en œuvre. Le secteur agricole plonge lui aussi, malheureusement, de plein fouet la crise énergétique. Ça aussi, c'est un dossier qui est extrêmement préoccupant. On y va. Et à ce propos, on va accueillir Nicolas Betz qui nous rejoint sur Skype. Bonjour Nicolas Betz, vous êtes exploitant agricole avec vos frères à Saint-Germain-des-Prés, c'est dans le Loiret. Alors vous faites culture, élevage de porc, vaches laitières. Vous avez vu les différents coûts augmenter, énergie et aussi intrants. C'est dans quelle proportion pour vous dans votre exploitation ? Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bah écoutez, ce sont des proportions inquiétantes. On a 2022 s'achève, je dirais, où nous avions encore nos contrats d'achat de matières
qui avait été fait en 2021. Donc je dirais qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, supporté quelques hausses, mais le pire reste à venir pour nous, notamment sur le domaine énergétique. Or, une exploitation laitière n'est pas la plus grande consommatrice en énergie, hormis la réfrigération du lait, évidemment. Mais en fait, là où on le sent, c'est évidemment dans le coût de nos intrants, l'aliment pour les bovins, l'aliment pour les vaches laitières. Mais on va poser la question tout de suite à Marc Fesneau. Qu'est-ce que vous avez adopté? Qu'est-ce que vous adopterez vraisemblablement pour aider ces exploitants agricoles qui, alors là, pour le coup, effectivement, sont souvent des exploitations très énergivores, électricité, gasoil. Comment on les aide? L'énergie, c'est partout. Au fond, c'est ce qui vient d'être dit, parce que les engrais, c'est de l'énergie. L'alimentation, c'est de l'énergie en partie, au-delà de ce dont on a besoin pour réfrigérer et autres. Alors, il y a eu plusieurs sujets. Le premier sujet qu'on a posé sur la table, c'est près de 500 millions qui ont été mis en œuvre. Peut-être que monsieur a pu en bénéficier. C'est un plan d'aide à l'alimentation animale qui a été déployé et qui est en cours de finalisation de paiement pour favoriser le fait que les éleveurs aient accès à une alimentation animale à des coûts qui soient moins élevés. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle on travaille, alors pour le coup, là, ça n'est pas encore abouti, c'est vrai que monsieur a raison, ça c'était le premier mur. Le deuxième mur qu'on a, c'est le mur énergétique, c'est-à-dire les factures qui arrivent, le renouvellement des contrats qui peuvent paraître être un mur énergétique. On est en train d'ajuster un dispositif qui soit un dispositif d'amortissement un peu de ce coût et par un système d'aide déclenché selon la dépendance. Ça ressemble à un bouclier tarifaire pour les agriculteurs? C'est pas vraiment un bouclier tarifaire, c'est plutôt un système d'aide. Alors il y a un bouclier tarifaire pour les moins de 36 kilos, mais la plupart des agriculteurs sont au-dessus. Donc c'est, en tout cas, des systèmes comme ceux-là sont au-dessus, donc ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, qui peut bénéficier aux plus petites structures. Pour les autres, c'est plutôt un système d'aide qu'on est en train d'affiner, parce que reconnaissons que le système qu'on avait posé cet été n'était pas tout à fait ajusté et adapté au monde agricole. On a un frein, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a un frein qui est la question de la dépendance à l'énergie, la part de l'énergie dans le chiffre d'affaires, et sans doute que c'est sur ce levier-là qu'il faut bouger pour pouvoir mieux aider les agriculteurs. On peut évoquer également dans les solutions les énergies alternatives. D'ailleurs, c'est le moyen terme. On pourrait d'ailleurs se demander si elles sont suffisamment utilisées en agriculture. Nicolas Besse, dites-moi, vous avez justement, vous, un méthaniseur qui produit donc une énergie renouvelable, du gaz à partir de biodéchets. Alors ça marche, mais vous dites qu'on vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi ça? Alors je reviens un petit mot. Effectivement, on a bénéficié de l'aide mise en place par l'État. Bon, alors 500 millions d'euros, c'est une somme énorme, mais répandue sur l'ensemble des agriculteurs, ça reste infime et insuffisant pour couvrir la hausse du coût de l'aliment. Parlez-nous d'ailleurs de l'énergie non renouvelable, très rapidement s'il vous plaît, parce qu'il nous reste peu de temps. Pourquoi on vous met des bâtons dans les roues? Alors, nous avons en place une unité de méthanisation qui existe depuis 2008, et c'est de la cogénération, c'était une des premières en France. Aujourd'hui, nous portons un projet pour développer une nouvelle unité, cette fois pour injecter du gaz dans le réseau GRDF. Le projet est en route depuis 2019. Nous avons eu l'acceptation d'un permis de construire. Nous attendons les autorisations d'exploiter et les bâtons dans les roues, je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut l'appeler, mais l'administration n'ose pas, je vais le dire honnêtement, n'ose pas franchir le pas. Notre municipalité est très frileuse, elle n'est pas opposée, elle est bien consciente, elle aussi, elle est consciente que ces énergies renouvelables sont utiles pour le pays. Mais voilà, il y a une incompréhension, je pense, de beaucoup de services et de beaucoup de personnes pour faire avancer ces dossiers. Merci Nicolas Betz. Vous le constatez, Marc Fesneau, ce que vient de décrire Nicolas Betz. Il y a des freins, effectivement, enfin, on le voit bien sur la méthanisation. Il faut qu'on se mette d'accord, d'ailleurs, au niveau de la société. On veut sortir de la dépendance au pétrole, on veut sortir de la dépendance au gaz. Mais on ne veut pas de photovoltaïque, on ne veut pas d'éolien. Mais la vérité, c'est un peu la difficulté, c'est que tout le monde veut bien, mais pas chez soi. Donc c'est vrai que c'est une difficulté. Je le dis, moi qui vis à l'ombre, si je peux dire, en Loire-et-Cher, de la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Donc, on prend notre part du risque, si je peux dire, et si tant est que le risque soit très grand. Mais donc ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'on ne serait pas dans cette situation, y compris la situation qu'on a décrite d'un point de vue énergétique, si on était moins dépendant des autres et qu'on produisait nous-mêmes nos énergies, en particulier nos énergies renouvelables. Donc, on est en train, il y a un projet de loi sur les énergies renouvelables qui vise à essayer d'assouplir un certain nombre de procédures, à faciliter les choses. Puis, il y a un troisième sujet, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler avec les agriculteurs.
Il faut qu'on arrive à expliquer aux citoyens ce que sont les projets. Et quand ils sont installés, globalement, on voit bien que les nuisances sont très faibles, très marginales, et que c'est bien pour tout le monde, pour l'agriculteur, y compris pour le territoire. Donc on a besoin d'essayer d'expliquer. On manque peut-être de process et de méthodes pour essayer de mieux expliquer sur le territoire, en tout cas aux gens de bonne foi qui peuvent comprendre des arguments qui sont des arguments, là aussi, de bon sens. En tout cas, on a accumulé bien du retard. Alors, crise énergétique, on vient de l'évoquer, crise climatique. Cette fois, les inconnus, vous allez le voir, se multiplient dans l'équation. Nous allons tout de suite filer en Touraine pour rejoindre Jean-Yves Chauveau, journaliste à Terre de Touraine. C'est l'hebdomadaire des agriculteurs, des éleveurs et des vignerons d'Indre-et-Loire. Vous êtes en direct avec nous depuis notre studio de Tours. Ces questions de transition écologique, est-ce qu'elles sont vraiment au cœur des préoccupations des agriculteurs, vous qui êtes H24 avec eux ? C'est le concret des agriculteurs, au pas à pas, ils essaient de s'adapter à chacune des évolutions. Le constat de la profession est que le ministère de l'Agriculture est depuis de nombreuses années sur ce thème pragmatique, hein, en termes de transition. Plutôt que le mot « changement », il parle plutôt d'adaptation, un, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et deux, gérer les nouvelles conditions climatiques. Donc pour s'adapter, un des outils, c'est la sélection génétique. On note que la France se bat au niveau européen pour que les nouvelles techniques, notamment CRISPR-Cas9, puissent être utilisées sans être bloquées par une réglementation OGM qui est obsolète. Par contre, le sujet d'actualité à Bruxelles, c'est la volonté du commissaire européen d'imposer une réduction de 30% des produits phytosanitaires. Ça nous interroge. Les agriculteurs, ils vont s'adapter au niveau aux conditions climatiques pour utiliser le moins possible de produits. En 2022, en vignes et vergers, que ce soit en bio ou en conventionnel, il n'y a pas eu de traitement, parce qu'il n'y avait pas d'humidité, pas de maladie. Par contre, cet automne, on va tout de suite poser cette réflexion et cette observation à la sagacité de Marc Fesneau. Vous les sentez concernés, ces agriculteurs français ? Il y a plusieurs sujets. Le dérèglement climatique, le changement climatique, il produit ce qu'on a dit sur les questions d'accès à l'eau, de sécheresse. Oui. Il produit des questions d'adaptation de ce que nous plantons à ce dérèglement climatique. La sécheresse d'abord, le réchauffement ensuite. Par ailleurs, des maladies qui se développent plus ou qui se développent moins selon le type de territoire et le type de climatologie que nous avons. Est-ce qui nous amène des événements climatiques. D'abord, oui, il a été décidé, et le gouvernement français soutient l'idée de sortir d'un certain nombre de produits phytosanitaires, parce que je pense que c'est une exigence collective que nous devons avoir. Alors, c'est une chose de le dire à cette table. Après, la deuxième chose que nous disons, c'est un, au niveau européen, deux, pas d'interdiction sans qu'on ne cherche et on ne trouve des solutions. Ça nécessite de mettre des moyens sur la recherche. Parfois, c'est le changement de pratique. C'est une manière différente de conduire son exploitation. Et parfois, ça vient d'être dit, et je pense qu'il faut qu'on aille résolument dans cette direction, c'est les nouvelles techniques qu'on a en termes de génomique, qui ne sont pas du tout liées à la question des OGM. C'est pas du tout la même chose. Oui. On travaille sur la même plante, mais on essaie de faire en accélérer ce que la nature aurait peut-être fait en 10 000 ou 20 000 ans, mais nous n'avons pas 20 000 ans devant nous. Et donc, ça permet d'accélérer les processus et les processus de transition et de donner des solutions aux agriculteurs. Il y a beaucoup d'espoir sur ces techniques. On va avoir un débat au niveau européen pour donner un calendrier dans le premier semestre 2023 qui permettra, je pense, d'ouvrir la voie de ces techniques qui sont très prometteuses. Vous me tendez la perche justement parce qu'il y a le climat qui modifie l'environnement, mais il n'est pas le seul responsable. Il y a l'action de l'homme également. Vous parliez justement à l'instant de tout ce que l'on peut étendre dans les champs, sur les cultures. Est-ce qu'on peut quand même imaginez qu'un jour, on aurait une agriculture complètement propre et verte. On a avancé sur le glyphosate, sur tout ça. Mais on a avancé sur un certain nombre de sujets. Mais reconnaissons que la stabilisation des rendements et le fait qu'on ait moins d'à-coups, elle est liée aussi à l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui. Ça a permis de nous garantir aussi une souveraineté alimentaire. Après la révolution de la mécanisation agricole, ces produits-là, ils ont été faits, ils ont été très utiles pour assumer notre souveraineté en termes quantitatifs. Désormais, on est dans une troisième révolution, qui est la révolution des techniques. Ça a été dit à l'instant sur les techniques, les NBT ou les NGT, comme on les appelle, les techniques de biocontrôle. Donc on a besoin de faire une troisième révolution qui garantisse la production en quantité en mode de dérèglement climatique, oui, et par ailleurs qui garantisse qu'on peut sortir d'un certain nombre de produits phytosanitaires. Mais tout ça, à la vérité, le grief qu'on fait parfois à l'agriculture, la société avait acté le principe d'avoir de l'alimentation en quantité et à bas prix. Et donc, c'est aussi cette réflexion-là qu'il faudra porter. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Il y a un certain nombre de secteurs.
Je pense, par exemple, sur le maïs, les techniques d'hybridation ont fait qu'on a grandement avancé, y compris sur moins d'utilisation de produits phytosanitaires et sur des hybrides qui ont besoin de beaucoup moins d'eau. Donc c'est possible. Simplement, il faut qu'on bouleverse les choses. Et pour cela, on a besoin d'appuyer la recherche. Merci en tout cas, Jean-Yves Chauveau, de nous avoir conduit à cette réflexion. Merci beaucoup. Pour terminer notre entretien, il nous reste 2 minutes 50. J'aimerais bien qu'on aille sur le champ purement politique et que vous nous donniez votre point de vue, votre ressenti sur le moment. Alors, ça ne vous a pas échappé, Emmanuel Macron connaît un second mandat qui ne ressemble en rien, on peut dire ça comme ça, au précédent. Est-ce que, Marc Fesneau, vous sentez le président de la République tendu, agacé parfois, et ça lui ferait commettre quelques erreurs ? Pas du tout, c'est pas du tout le sujet. Alors il peut être comme tout le monde parfois tendu ou agacé. Le sujet dans lequel on est, c'est qu'on a une majorité relative à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on n'est pas une majorité absolue. Ça porte des exigences particulières qui sont celles d'essayer de trouver d'autres acteurs dans le Parlement qui puissent voter avec nous un certain nombre de textes, parce que moi, ça me paraît un élément important et déterminant. Dans la crise que nous traversons, la question n'est pas de savoir si on est dans la majorité ou dans l'opposition. Dans la crise que nous traversons, la question est de savoir si on résout les problèmes des gens. Les questions énergétiques, les questions qu'on a évoquées de transmission agricole, les questions qu'on a évoquées de souveraineté, les questions de crise énergétique pour l'ensemble de nos concitoyens, c'est des questions qui dépassent les clivages. Alors après, il faut trouver des partenaires qui soient en capacité d'entendre. Et ça, c'est compliqué, parce que la négociation est extrêmement compliquée. La difficulté, c'est de trouver des gens qui, quoi qu'en étant dans l'opposition, se mettent dans la situation où ils auraient été dans la majorité, où ils auraient été à gouverner. La preuve, c'est facile de s'opposer quand on sait qu'on ne gouvernera jamais. On en est où Elisabeth Borne a dégainé 5 fois déjà le 49-3. La grande question, c'est est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée ? Qu'est-ce que ça a démontré le 49-3 ? Qu'il n'y avait pas une majorité pour voter le budget, mais qu'il n'y avait pas une majorité pour proposer une alternative à ce budget. Parce que d'un banc à l'autre de l'Assemblée, des deux bancs extrêmes de l'Assemblée, en fait, personne n'est d'accord. Donc il ne suffit pas d'être simplement contre le gouvernement, il faut faire des propositions. Et en fait, ils sont radicalement opposés sur les solutions. Donc nous sommes le point d'équilibre de la société, et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse avancer sur un certain nombre de textes. Merci infiniment, Marc Fesneau, d'avoir répondu à mes questions. Je suis